Bonjour, mon ami. Quel plaisir de te revoir enfin. Maître Cordova, c'est un honneur. Je ne pensais pas vous rencontrer un jour. L'honneur est pour moi, Cal. Serré m'a tout raconté. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure et de sagesse également face à l'adversité écrasante. Vous avez fait le bon choix. Eh bien, je n'irai pas jusque-là. L'Empire s'est emparé des ruines. Il faut trouver un nouveau point de rendez-vous. C'est malheureux, mais au moins la tempête a masqué vos traces. Venez, je vais vous escorter à l'intérieur. Maître Cordova, avez-vous retrouvé les Éphos ? Seulement des traces de leur passage qui plongeaient dans les régions inconnues. Je suis désolé. C'est ainsi. Finalement, cet échec m'a poussé à chercher d'autres Jedi survivants. Et cette quête m'a amené à mon apprenti. Comment allez-vous, Cal ? Ça n'annonce rien de bon. J'ai quelques égratignures, mais je respire encore. Je m'en réjouis. J'ai entendu dire qu'un terroriste Jedi se trouvait sur Coruscant. Vous étiez sur Coruscant ? Bien, on dirait que le Mantis a connu des jours meilleurs. Tu devrais voir les autres. Les archives sont par ici. Cette base est bien cachée. Ouais. La présence de l'Empire s'est amplifiée ces dernières années. Ils sont trop puissants pour un combat direct. Mais nous faisons notre possible. Il est bien entendu essentiel de tenir notre œuvre secrète. De quoi parlez-vous exactement ? Posez plutôt la question à Serré. En attendant, Merin et moi accueillerons les nouveaux arrivants. Alors ? Comment était le désert ? Froid, venteux et plein d'impériaux. Ce n'est pas ma météo préférée. Mais ça devient la norme ces jours-ci. Où avez-vous échappé à la tempête ? Dans une grotte après le vieux marché. Notre ami Spamel nous a montré le chemin. Vous avez le chic pour vous faire des amis où que vous alliez. L'instinct de survie, peut-être. J'ai intercepté des communications impériales. Votre réputation vous précède. Il y avait de la crainte dans leur voix ? Je pense que oui. Bien. Comment vous sentez-vous ? Mieux, merci. Le thé que vous m'avez apporté était délicieux. Il faut continuer. Frère Arnias n'est pas du genre à rompre le contact. Cal Kestis. Bienvenue sur Jedha. Je savais que la tempête ne te ferait pas peur. Vous reconstruisez les archives du temple ? Nous essayons. Tant que ces connaissances perdureront, l'héritage des Jedi vivra. C'est incroyable. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus que des hololivres ici. Oui. Nous faisons partie d'un réseau, connu sous le nom de Passage. Nous offrons un accès sûr et de nouvelles identités à ceux que l'Empire a persécutés. Vous voulez dire comme... des Jedi survivants ? Nous ne sommes plus très nombreux. Mais oui. Et aussi les personnes sensibles à la Force, et ceux qui les aident. Et vous ne m'avez rien dit ? Tu n'as jamais demandé. De plus, il semble que tu étais occupé à devenir l'ennemi numéro un de l'Empire. Je voulais prouver à la galaxie que l'Empire n'est pas invulnérable.
qu'on peut résister, qu'il faut qu'on se batte pour que les choses s'améliorent. Mais ils préfèrent écouter la propagande et faire comme s'ils étaient libres. Eh bien, tu as choisi une voie difficile. Ouais, bah ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais... pendant que l'Empire avait les yeux rivés sur toi, nous avons pu construire ce réseau, trouver des alliés et sauver des vies. Quand vous êtes parti, j'ai cru que vous renonciez. J'avais tort. Cal, tu n'étais qu'un gamin quand ils t'ont envoyé à la guerre. Tu sais, à une époque, je me rappelle que... les Jedi étaient plus que des armes. Mais... nous avons tous deux un rôle à jouer dans ce combat. Et c'est pour ça que je suis là. Serré. Regardez-moi un peu ça. Hé, hey, Serré. On peut pas dire que ça manque de personnalité. Mais j'avoue que c'est un peu flippant. Contente de te revoir aussi, Chris. Hé, hey, bonjour, BD. Bon, hey, ça va, hein? Alors, comment c'était dans le désert? La tempête a couvert nos traces. Mais, malheureusement, l'Empire a détruit un de nos speeders. Ce n'est pas cher payé, puisque tout le monde est sain et sauf. Et qui est-ce? Je vous présente Bo Dacuna. C'est un ami. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer. C'était mon problème. Hé hey, on est tous ensemble. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous amène tous sur Jeddah? On recherche une planète cachée. Tanalore, vous la connaissez? Elle est de l'autre côté d'une nébuleuse mortelle, l'abysse de Kobo. Eh bien, nos archives sont incomplètes, mais je suis sûr que Maître Eno Cordova est à la hauteur. Avec plaisir. Oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls à la chercher. Je me disais bien que c'était trop facile. Il s'appelle Dagan Gera, un ancien Jedi. Il dirige les pillards dans la bordure extérieure. Il y a un temple là-bas. Dagan cherche à le reprendre. Un temple Jedi hors de portée de l'Empire, cela veut forcément dire qu'il y aura des informations que nous n'avons pas dans les archives. Je crois que j'ai quelque chose. Non, tu es trop gentil, BD. Je commence par la mauvaise nouvelle. Oh, ce type connaît bien son public. Je n'ai rien trouvé sur comment traverser l'abysse de Kobo. Mais j'ai trouvé deux mentions de ce Dagan Gera. Il avait une base sur Kobo. Et les archives disent qu'il fréquentait un laboratoire sur sa lune. Bon, on va aller voir ça. Si vous trouvez quelque chose, rapportez-le. Je serai heureux de vous aider. Merci. À vous deux. Mais de rien, Cal. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Que la Force soit avec vous. Et avec toi. Je vais te raccompagner au Mantis. Donc tu viens pas avec nous? Je peux pas. Hé, hey, Cal! Attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes, et je me suis dit que ça pourrait te servir. Mérine, c'est ça? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Merci, Baud. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Un vrai Stormtrooper est toujours en mouvement.
Faut bien commencer quelque part. Et ben voilà. C'est sympa de te voir, Mérine. Bonne chance, Cal. Je serai peut-être encore là à ton retour. J'espère. J'arrive pas à croire que Maître Cordova soit ici. Après tout ce temps à suivre ses traces. J'ai bien aimé faire sa connaissance. Je n'avais jamais connu un Jedi avec autant d'humour. Tu ne connais que Serré et moi. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on va en premier? Sur Kobo ou sur la Lune? Je crois qu'on devrait commencer par le camp de la Haute République. Pardon, je reviens vite. Voyons voir où on peut aller. Va pour la Lune brisée. Peut-être que ces anachorètes sont pas si mal, finalement. Tu les avais pas traités de cinglés? Ça, c'était avant que Serré me dise qu'ils aidaient les réfugiés à se cacher de l'Empire. Ah bon? Ouais. Ils bossent avec un groupe qui s'appelle Le Passage. C'est du top secret. Ne le répète à personne, surtout. C'est compris. On dirait que t'as une bonne équipe. Enfin, que t'avais. Tu vois ce que je veux dire? Pas sûr. Alors comme ça, Cordova pense qu'on découvrira comment traverser l'abysse dans l'ancien repère de Dagan. C'est ça. T'as déjà entendu parler du laboratoire sur cette lune, Grise? Et je suis un latéraux très occupé, pas un guide touristique. Pas le temps de visiter des lunes brisées. D'abord Jedha, maintenant ça. Les lunes nous apportent que des ennuis. Jedha est une lune? Première nouvelle. Attache ta ceinture, Cal. On va atterrir. Ça va? Moi, je suis juste un peu rouillé. Et toi? Un peu secoué, mais... ça va aller. Si c'est monsieur optimiste qui le dit... Hé, fais-moi plaisir, tais-toi un peu. Tu me donnes des crampes d'estomac. Ça, c'est à cause de ta cuisine. C'était quoi, ça? On y est presque. Les gens du coin disent que la lune est hantée. Ils auraient pas pu construire ce laboratoire dans un endroit plus ensoleillé. Ouais. Mais si on pouvait trouver quelque chose pour nous aider à naviguer dans l'abysse de Kobo... D'après ce que dit Grise, cet abysse est un cimetière de vaisseaux. Et nous voilà maintenant dans un cimetière lunaire. Beaucoup de cimetières. On dirait, ouais. Cette station est fermée. Ils sont là. Qui est là? Nous avons été attaqués. Protocole d'évacuation en cours. Cette station est fermée. Il est dangereux de rester ici. Jedi, tu devrais pas être ici. Non, non, trop près. J'ai rien contre un bon combat, mais Revis sera pas content si t'approches encore. Décampe d'ici, Jedi. T'es encore là. T'en as dans le ventre, faut bien le reconnaître. Mais j'ai des ordres, alors dégage de là.
Dai. La cible est à l'arche. Tout à fait. On devrait faire passer le mot, leur dire qu'on l'a repéré. J'aimerais le tuer moi-même, mais je préférerais pas avoir affaire à Revis. Vous allez mourir. Accablez la cible. Dégâts subis. Ils ont l'air de défendre quelque chose d'important. Ils n'ont pas le droit. Ça va? Ils ne sont pas autorisés à entrer. Pauvres droïdes, abandonnés ici pendant des siècles, jusqu'à ce que les pillards les trouvent. Cette chose est classée inutilisable. D'après le manifeste, il faudra montrer ça à Gandhi. On m'avait promis quelque chose d'intéressant et de voile tremble. Personnalisé. On peut peut-être le réparer. Tu veux qu'on l'essaye ?
Prêt à partir. J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'abysse ont disparu sans laisser de traces. Nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas prendre ce risque seul. C'est ton invention. Personne d'autre ne la comprend. Tu es la seule qui puisse me guider. Il faut déverrouiller ça. Très bien. J'enregistrerai le passage et je m'assurerai que tu nous reviennes. Criez Dagan. Je crois que tu t'es trompé de chemin. Ta fin est proche, Jedi. Je vais bien. Maître Cordova a dit que Dagan avait une base sur Kobo. Allons la trouver. Quoi qu'il ait utilisé pour traverser l'abysse, on le trouvera peut-être ici. J'aurais aimé devoir ferrailler sur Braca dans tes jeunes années. Ok, ensuite... Kobo. T'as jeté un œil sur la vieille tech que Cal a trouvée dans le labo? J'ai absolument rien compris. Peut-être qu'on comprendra mieux quand on sera allé voir le repère de Dagan sur Kobo. Les gens vont sur Kobo quand leur vie est foutue. Ils y vont pas pour la réparer. Et toi, Gris? Si tu sous-entends que j'étais un latéraux foutu à mon arrivée sur Kobo, tu te trompes. J'avais simplement besoin de faire une petite pause loin de vous. Viens par là, Cal. On est presque à destination. Je
Sois prudent près de ces flèches de pierre, Cal. Qu'est-ce que tu sais? Apparemment, la base des pillards n'est pas très loin d'ici. Merci pour l'info. Les recherches de Maître Cordova montrent...